Le désespoir de Sephiroth, le jeu qui l'a rendu marteau. Putain. Ah, je suis soulagé là. Je pense que j'ai passé un checkpoint. J'espère. Plus que j'ai passé un checkpoint parce que là, sinon je me pends quoi. J'espère tellement. Ah, parce qu'on peut pas sauvegarder de toute façon dans le jeu. On peut juste faire des options. Je vais décéder avec ce jeu. J'en peux plus. J'en peux plus. Qu'est-ce qui m'a pris? Oh putain, il y en a combien là encore? Ah, je vais mourir direct là. Ah, c'est la mort. Bon, je vais être obligé de lui prendre directement l'élixir. Salut à toi, Carnox. Ah oui, alors attends, maintenant. Il y a The Whale Train. Donc, je suppose qu'il faut que je réussisse à ne pas me le prendre dans la gueule. Je suis censé aller où en face là ou... Bon, je vais attendre. Peut-être mieux ici en fait. Ça a l'air d'être ouvert. Oh putain de merde. Oh bordel. Ah non, t'as puis Willow qui sert à rien, elle est toujours en train de se faire capturer. J'ai au-dessus de la foudre de mes journées qu'elle est sauvée Willow, merde. Alors, en plus elle marche, je pense qu'elle s'est déjà fait dilater l'anus, notre amie Willow, parce que je sais pas si vous avez vu comment elle marche, mais en règle générale, quand on marche comme ça... Ouais, on va peut-être passer par la benne à ordures, parce que là, si je sens que je saute directement, je vais lamentablement mourir. Oh là là, alors attention. Ah, je me dis, ils doivent être deux, parce que... Comment ça marche, ce truc-là? Ah, voilà. Oh là, ils sont combien? Merde, putain. Ça, c'est... C'est la carotte, ça, à chaque fois. Elle est où? Ah! Ah merde, putain, je vais pas la tuer. Bon, j'ai l'air d'avoir fait le ménage. Alors ça avance bien depuis hier. Non, c'est une catastrophe, Iso. Hein. J'ai fait vraiment de la merde en début. Là, j'ai fait une petite session où j'ai beaucoup plus avancé, mais j'ai meurdé à l'infini contre Spike au début. Là, j'ai passé des endroits, je sais pas trop comment.
J'espère que j'ai franchi un checkpoint tout à l'heure, c'est tout ce que j'espère. Oh putain de chien de merde! Monte, 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 ah! Ah, c'est pas vrai, ils l'ont codé pour t'empêcher de monter. Ah putain, juste au moment où j'équipe, il tombe pas l'enfoiré. Arrête! Allez, s'il te plaît, tombe. Merci. Ah là 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 là. Désolé, j'ai dû un peu crier. Putain, j'ai même pas réussi à m'enfuir face à ce chien. J'ai réagi trop longtemps. Je pense qu'on doit pouvoir passer sans l'affronter. Hein. Là, ça sent le traquenard. Ça se... Ah, c'est elle qui c'est Buffy en fait qui a fait ce bruit, ok. Je pensais que c'était un ennemi. C'est moi, il a l'air louche, lui. Alors, qu'est-ce que c'est ça encore? Hellfire. Est-ce que c'est un truc qu'on peut combiner? Non, c'est bizarre. But a fire from the depths of hell that can be thrown like a molotov cocktail can use as ammo for other weapons. Ah, mais moi, j'arrive pas à les jeter, quoi. J'ai un vrai problème avec ces trucs, j'arrive pas à les balancer. C'est quoi pour balancer un objet? Attends, c'est peut-être marqué dans la... C'est marqué à la notice, parce que je comprends pas, à chaque fois que j'essaie, j'y arrive pas, moi. Projeter un ennemi, excusez-moi. Ouais, il a pas visé. Ramasser un objet, pourtant ça doit être... Non, parce que le Y, c'est actionner. Approchez-vous de l'objet, donc c'est ouvrir des portes, pousser des boutons, ça fait pas lancer des objets. On est peut-être juste censé utiliser le coup de poing, peut-être. Parce que tout à l'heure, j'ai été incapable de la balancer, cette arme. C'est dommage. J'ai quoi dans mon inventaire, là? Bon. Donc du coup, faut que j'aille par ici maintenant. Est-ce que... Comment c'est foutu, là? Hop. Alors... est-ce que si je fais cette distance, je vais pas mourir? Est-ce qu'il faut que j'aille en face? Bon, je suis pas mort. Enfin, j'ai pas perdu de la vie. Ah non, mais en fait, je suis revenu au même endroit, là. Ah, c'était peut-être pas là que je devais aller. Là, je suis venu par là, c'est ça? Ah, je suis un peu paumé, là. Ah non, je suis arrivé par ici, en fait. C'est ça? Je suis arrivé par là... Ouais, c'est ça, je suis arrivé par ici, tac, donc je vais prendre l'autre échelle, du coup. Oh merde! Putain, quel... Oh là là, j'ai complètement raté l'échelle.
Ça, c'est la loose, quoi. Mourir comme une grosse tanche. Attends, en même temps, ça va me permettre de voir où est le checkpoint. S'il est juste au début de de ce passage-là, c'est plutôt cool. Il est sorti en 2002. Ouais, ça va. Donc c'est ça, je suis juste après la phase, après le gros quoi. Qu'est-ce que je fais? Je retente. Voilà, ça fait quasiment 2 heures que je joue. Il est passé il y a combien de temps là? On va attendre. Hein. On va complètement attendre. Alors là, c'est la phase où. C'est là où il y a le chien, non? Je me souviens plus. Non, mais c'est la phase où elle nous parle. Ah, bon, j'en ai tellement que c'est cool. Ah non, c'est encore après. C'est encore plus loin le chien, d'accord. Là, je vais descendre. Ah oui, c'est là où je descends. Alors là, vaut mieux prendre une benne à ordures pour descendre. Hop. Il s'est cassé la gueule, lui? Oh là là, c'est l'orgie de nouveau. Elle est où elle? Ah, c'est là où il va y avoir le chien. Alors attends, il faut que je repère l'échelle, elle est où? Merde, je me souviens plus où est l'échelle. Elle est chaude, ça. Y a pas une vue subjective? Je me souviens plus où elle est. Et puis alors là, en plus, il fait bien sombre. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Oh putain. Bon. Là, il y a un mec.
Oui, c'était une exclu Xbox Call Out, en effet. De quoi? Ah non, mais merde, tu parles pas de ce jeu. Si tu parles de Buffy, oui, c'était une exclu Xbox, mais je sais pas de quoi vous parlez en fait. Je prends la discussion de cours, comme d'habitude. Oh, nice! Ça, c'était cool. Une phase de jeu où j'ai à peu près joué correctement. C'est tellement rare. Bon, on va essayer de pas tomber comme une vieille fiente. Donc, est-ce que ça passe? Oh là, oh là. Alors, est-ce que je vais arriver à prendre l'échelle? Parce que tout à l'heure, j'ai rien fait de particulier, mais j'ai pas réussi à la prendre en fait, l'échelle. J'ai l'impression que on peut pas en fait. Oh! Ah mais c'est peut-être pas là que je dois aller en fait. Parce que là, je suis attendu par le chien. Parce qu'il m'attend des deux côtés en fait, c'est ça? Donc je suis arrivé par là-bas. Donc ici la zone du dessous. Est-ce que je suis censé aller de l'autre côté en trouvant un espèce de petit pont ou quelque chose? J'ai assez de steaks. Apparemment, peut-être. Je vais remonter. Peut-être que. Il y a un endroit que je peux accéder en étant passé par cette pièce. Ok, je n'ai pas fait attention. Allez, hop. Voyons voir. Ça m'étonnerait que je sois censé atteindre quand même la plateforme qui est complètement à l'opposé, si. Ça serait ça le truc. Ah, raté. Évidemment. Alors, on va quand même essayer. Bizarre, ça m'étonnerait que. Enfin, je suis pas sûr, vraiment sûr que ça soit ça quand même. Ah, peut-être. Ah oui, il est en face. Ah, t'arrives pas à les avoir, là? Okay. Ah putain, ça va être chiant là. Ah oui. C'est la carotte. Merde. Donc pas grand-chose, hein. Ah, il y a eu le point. Je vais l'avoir à l'usure, quoi.
looks like an opportunity for a good wholesome shimmy. Ah non, faut juste... Merde, je crois qu'on pouvait monter dessus en fait. Oh! Il y a un ennemi quelque part. Ah d'accord, c'est le chien. Tomb Raider Activate. Activate Seed. Ah, celle-là, je vais peut-être pouvoir la prendre. Voilà, en fait, faut qu'il y ait la petite bordure. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour me recevoir? A priori, non. Ah! Là, par contre, il y a quelqu'un. Pourtant, je suis à un autre endroit, je reviens pas sur mes pas, là. Je suis peut-être une connerie, comme je sais pas du tout où je dois aller. Bah, il est où? Bah... Ah, il doit être sur le côté, peut-être. Ah non, je dois aller certainement dans cette zone. Bon, on va essayer d'aller se faire le chien. Pas vraiment le choix, là. Il m'a pas vu, là. Est-ce que ça me laisse le temps de voir où je pourrais aller? J'ai l'impression que c'est la zone où j'étais là tout à l'heure, non? Qu'est-ce qu'il fait, ce gland? Ah non, parce qu'il y a l'air d'avoir un objet là-bas que j'ai pas récupéré. Ok... Bon. Oula, ça se passe mal, là. Ouh, deux élixirs. Je vais peut-être en prendre un. Ah, j'en ai même trois? Putain. J'ai une de ces collections. Alors... Ça m'intéresse pas. Chancel est là maintenant. Tout se ressemble pour moi, quoi. J'ai l'impression. Je suis pas déjà venu ici? C'est moi ou j'ai l'impression d'être déjà venu ici en fait? C'est là où je suis arrivé, non? Tout se ressemble, donc j'avoue que j'ai vraiment du mal à m'en repérer. J'ai l'impression qu'en fait... Attends, regarde dans le lieu. Oui, c'est par là où je suis arrivé, non? J'ai foncé l'échelle par ici. J'ai été là. Là, il y a une porte, mais a priori, j'ai pas accès. Oui, non, je suis revenu exactement au même endroit, quoi. Sauf que j'avais pas vu qu'il y avait un élixir ici. C'est comme j'avais pris directement l'échelle. Et ça, bon, bah, ça, je peux rien en faire. Bon, bah, il faut que je revienne sur mes pas. Donc voilà, là je suis arrivé par là, j'étais passé par cette porte. Ouais, ça m'étonnerait que je puisse ouais, atteindre ça. Ouais, c'est peut-être là-bas qu'il faut que j'aille là. Alors, je sais pas comment je suis censé faire. Hein. Peut-être réussir à... Ah non, parce que de là à là, on peut pas passer. Je suis perdu. Bon, lui, il m'a donné ce qu'il avait à me donner. Là, je peux grimper sur le mur en face. Là, je vais ici. Ok. Ah, je peux pas sortir, voilà. Qu'est-ce que j'ai raté en fait?
Hey, là, c'est par là où je suis passé tout à l'heure, ok. Je vais y arriver, je peux le faire. I can do it. Je ne comprends rien à jeu, mais je peux le faire. Ici, non. Là. Bon, ça m'a l'air quand même bien bloqué. Ça va être juste pour récupérer des pieux, je suppose. Même pas, y a rien. Ah. Ok. Trouver un cristal. Bah ouais, mais une fois que j'arrive ici, je redescends. J'ai raté une porte quelque part, j'ai raté un levier, qu'est-ce que j'ai raté? Un endroit où je peux aller? Ah! C'est quoi ça? Bah non, je peux rien en faire s'il n'y a pas de levier activable là-dessus. Ça a l'air tout cassé. Ah si! Ah! D'accord, donc j'étais bien censé passer par là, sauf que je n'ai pas vu le levier la première fois que je suis passé, donc je suis mauvais. Donc c'était pour ça que le chien, il voulait aller là, en fait. Le chien, il était pas si con, il m'indiquait où je devais aller. Putain, j'ai un atterrissage un peu forcé. Two roads diverged in the concrete jungle, and I'm gonna guess Spike and his goons took that one that leads through a cemetery. Ok, donc apparemment deux endroits différents là. Mais moi ce que je comprends pas, est-ce qu'il faut que je regarde là, c'est qu'est-ce que je suis censé faire des pierres en fait là, des cristaux. Est-ce que ça me donne, ça m'augmente ma puissance automatiquement, ou en fait il faut que je les équipe, que j'en fasse quelque chose que j'ai. Ah, ça sent un nouveau checkpoint ça quand même. Ça sent bien, ça sent le checkpoint du cimetière qui fait plaisir. Oula! Ça sent aussi le viol. On dirait Mantis. Bonjour, je suis Mantis. Et je peux lire dans ta carte mémoire. Je vois que tu as une grosse paire de seins, étrangère. Il a fui. Ah merde, il est de nouveau là. Je sens que je vais en prendre, mais alors plein la gueule. Voilà, c'est marrant, mais je le sens pas. Hein. Ah, en plus, eux, si je me trompe pas, faut les faire au pieu, parce qu'il faut les décapiter. Ah, sauf que j'ai pas de pieu. Ah, c'est un caca. Oh putain, ça commence mal. Ah putain, le changement d'arme, c'est. Ah putain, j'y suis arrivé. Oh, je me fais gangbang. Oh, oh putain. Ah là là, alors ça. Allez, déclenche-toi. Ah, ce gangbang. Mais laissez-moi sortir. Mais oui, mais je veux. Merci. C'est la totale. Oh merde. Je veux me barrer, je veux me barrer. Laissez-moi sortir d'ici, please. Bon, que j'ai le temps un petit peu de regarder ce qui se passe. Alors, je vais aller voir. Non, parce que c'est des items de quête en fait. Hein. On va regarder quand même si on peut en faire quelque chose. Non, on peut juste faire back. Ah, c'est quand même étrange parce que j'en ai deux quoi de ces trucs. Et ça. Ouais, bon, ok, ça c'est les techniques que j'ai encore débloquées. Alors, je suis censé ouvrir la porte, mais comment? Prenons l'appel. On va creuser. Ah merde, je peux pas la. Obligé de la conserver en fait. Ok.
Passage exigu. Ah, une clé. Peut-être ça qu'il me faut. Alors, avoir des trucs à activer. Non. C'était juste une salle où il fallait récupérer. Oh, c'est bizarre, il y a des sauts partout. Il va falloir des trucs à pousser ou je sais pas. Non, il n'y a rien à faire dans cette salle. Ça semble étrange quand même. Donc il y a une porte là. Le jeu devient de plus en plus sombre. Hein. Je suis désolé, mais même pour moi, c'est super sombre quoi. Moi j'ai pas d'excuse. Ah ben non, je suis ressorti là. Bah oui, je suis ressorti. Il y avait qu'une porte ici. Ah oui, non, il y avait bien qu'une porte. C'est quoi ça? Non, il n'y a rien, on peut pas... Bon... Ouais, c'était peut-être pas là qu'il fallait aller. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Pourtant c'est bizarre, là j'ai été chercher la petite clé. Ouais, et puis là c'est l'entrée, donc pourtant a priori ça doit bien se passer à l'intérieur, mais il doit me manquer quelque chose. J'ai dû rater peut-être une indication pendant un combat. Alors, ah, j'arrive même pas à passer par-dessus la petite passerelle. Ouais, parce que là, il n'y avait rien d'autre. Bon, puis il y avait ça bien en évidence, donc je pense que c'était cette clé à prendre. Donc, il doit avoir quelque chose à faire. Ça, c'est quoi? Non, il n'y a pas de passage ici, rien de caché. Non, il doit avoir quelque chose à faire à l'intérieur. Alors, m'a-t-on trouvé? Donc là... Ah! C'est pas un levier? Ah bah non, c'est pas un levier. J'ai cru. Je comprends pas tout là. J'ai rien pour foutre le feu. Ah! Peut-être ça, on peut le pousser là? Non, non, ça n'a pas l'air d'être en relief en fait. Bah non. Ah! Ah bah d'accord. Si je vois pas le chemin. Ça j'ai déjà. Ah merci, ils ont j'avais pas vu. Désolé. Il n'y en avait qu'un? Ah. Oh merde. Ah putain. Ah mais alors il me lâche pas lui. Oula mais lui aussi il va pas me lâcher. C'est bon, ça s'est calmé. Non, il y en a encore un qui arrive par au-dessus, d'accord. Par au-dessous il se passe rien. Donc
Moi, je suis arrivé par là. Peut-être aller voir la base qui aura. Alors, on va s'occuper de lui. Ah, il y en a encore un autre. Ok, ça ouvre une porte. Ah, attention, un ennemi. Il est où? Ah, bien joué. Oh là là, il est énervé lui, hein. Il est en mode berserk de l'infini, quoi. Tu te calmes? Non, tu te calmes pas. Ah. Ah, j'ai plus de... Ah. Ok. Non. Mais ça, c'est la même chose. Non, rien par ici. Faut que je trouve la porte. Y'a rien au-dessus, là, quand même? Parce qu'ils venaient tous par là. Ah, mais c'est peut-être par là qu'elle s'est ouverte, la porte, non? C'est que j'avais pas trop compris... la géographie des lieux. Un petit élixir, non? Rien. Donc ça, ça doit être la porte qui vient de s'ouvrir, non? Ah bah non. Ça s'est complètement fermé, ça. Donc elle doit être en bas, je suppose, la porte par laquelle il est venu, ou... J'ai pas tout suivi... Ok, donc ça sert à rien. Ah non, elle est là en fait. D'accord, elle est là. Et là, il y avait rien, je pense. Non, je le verrai, je pense qu'il y avait un objet. Bon. Ah non, c'est... Si, voilà. Réussissons à ouvrir la porte, c'est pas toujours évident. Oh, je vais me faire attaquer là, ça sent... Oh putain, ça sent la fuite. Ah non, c'est pas le même. Ah merde, il est encore là! Ah, ça n'a pas suffi! Ah. Je vais pas pouvoir me barrer là! Bon, je suis peut-être censé l'affronter lui, hein! Ah putain, je peux pas lui faire de dégâts pourtant! Si! Ah si! Bon, ça s'est passé. Tu penses qu'il faut mâcher X quand on me chope? Ah ouais, moi j'ai la réflexe de choper... Ah, élixir, non? Ouh, je vais pouvoir en prendre un petit. Alors, c'est où? Et là. Élixir. Merde. Non, je vais peut-être pas, combiner ça, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Je veux boire, merci. Donc je suppose, donc je suis venu par ici, le jeu me menait par là, là c'est un élixir, donc je dois certainement aller par là. Chut, c'est marrant quand il mâche le stick. Ouais, c'est les réflexes des jeux, je suis habitué quand on est chopé en fait à mâcher le stick. Oh, il y a du monde là. Ah, trop loin. Ah merde! Oh là là, je me fais gangbang là! C'est fini, oui?
Ah, mais putain, elle me saoule ça! Mais arrête de me choisir cette arme, merci! Ah, putain, la vache! Putain, j'ai perdu toute ma vie sur ces deux glands parce que j'étais incapable de prendre mon arme, quoi. Ça, c'est saoulant, quoi. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe? Bizarre là qu'il y ait de la lumière et qu'il n'y ait pas d'objet. Putain, c'est de plus en plus sombre. Hein. Attends, non, je suis arrivé par où? Je suis arrivé par là? Oui, je suis arrivé par là, faut que j'aille au fond. Ça se... Oh là là, bien joué. Je l'ai vraiment pas vu lui. Ok, alors est-ce que là, il y a un truc à aller chercher avant? Ah, un petit... Je sais bien, t'as des mecs qui te donnent plein de trucs comme ça. Oh, j'ai réussi à l'éviter, quoi. Faut le faire. Oh la vache, là, ça va être le bang bang là. Ça va être sale. Crève. Pourriture de communiste. Ah. Non, restez. Putain, je me prends des lariates, quoi. Donc si je me trompe pas, c'était par là la suite, non? Ah non, c'était par là, d'accord. Tellement sombre. Putain, la vache! Ah, oh, mais... Mais comment tu veux éviter ça, en fait? Tu te fais attaquer à la relevée, en fait. Donc tu ne peux rien faire. C'est... Putain, alors ça, c'est vraiment saoulant, ce truc. Hop! Il est où, l'autre? Hop! Tiens, voilà. Depuis la musique de générique de Buffy qui s'est déclenchée, le jeu va pas tarder à planter. Qu'est-ce que je suis censé de faire tous ces trucs, tous ces cristaux là? Moi ça me... Il y a quelque chose que j'ai pas dû comprendre dans le jeu, on doit pouvoir combiner des trucs, mais encore un élixir. Oui, non, moi, l'orientation dans les jeux vidéo, ça fait 25. Hein. Alors ça, c'est pas nouveau. Hein. Putain, j'ai toujours du mal à me repérer dans les jeux vidéo. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas, quoi.
Bon, ça doit être pareil dans la vie réelle, hein, parce que je vois pas pourquoi. Je suis mauvais, je suis mauvais. Il y a des éclairs, c'est pas bon signe. Bon, par contre, les squelettes, hein, comparés aux vampires, sont plutôt gratuits, hein. Tu tapes dedans, comme dans la viande morte. J'avais pas vu qu'il jetait de la merdasse là. Des boules de merdasse. Il jette des petites boules de caca. Je sais pas ce que je vais faire avec toute cette holy water. Ah, je ne lis que ce que je peux, surtout dans le chat. C'est surtout ça en fait. Ah, là, je vais me faire quand même. Oh. J'ai pas envie d'aller dans la mélasse là. Ouais, viens me rejoindre. C'est fini, oui! Saleté de cafard! Alors. Comment ça se passe? Prends une petite torgnole, toi. Oh putain, encore un gros. J'en ai marre des gros. Il est où? Ah, il est là! Ouf! Il me viole. Un truc craqué. Ah, je vais pas arriver à le prendre. Ah putain, je me fais violer. Alors, hop. Ah merde, il a pris l'arme lui. Vite, 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 l'arme, 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 l'arme. Ok. Bon. Alors attends, il venait de par là. Un mec qui se barre. Ça sent le guet-apens. Oh là 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 là. Oh bordel. Ah, j'ai réussi à le rater hein, quand même. Putain, les armes inefficaces quoi. Ouf. Oh là 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 là, oh là là, oh là là, c'est gang bang là. Ah, puis alors lui, j'arrive pas à le toucher, quoi. Ah, mais! Putain! Ok! Oh là 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 là, ça a été catastrophique! Comment je me suis fait attaquer dès le début?
Ah putain, alors ça. Merci. Ok. Ouais, il y en a encore un. On va pas y arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais putain, puis il m'enchaîne dans la cinématique. Ah merci quoi. Allez, s'il te plaît. Ah putain. J'ai cru que j'arrivais pas à le tuer quoi. Bon, alors, du coup, je sais plus où je suis là. Je suis arrivé par là ou par là? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Ça m'a l'air d'être bien par là. Ça me dit rien. Oh là là là, gangbang. D'accord, ça c'est cool. Merci. Il fait quoi, mais... Oh mon dieu. Sur Raya Bonelli, quoi. Le Philippe Candeloro du pauvre. Aïe. Ok. Alors attends, ça, je suis de nouveau perdu moi. C'est ouvert partout. Ah non, c'est l'entrée du cimetière ça. Alors attends. Ah, je suis sorti par une salle qui était par ici, donc je me dirigeais par là. Faut que je retourne à l'intérieur d'une de ces pièces, c'est ça? Ah, ça devait être par là. Bon, et l'orientation? T'as peur pour la manette? Oui, c'est vrai que... En fait, les 360... Ah, voilà la prostitute de Spike. C'est quoi ce tatouage? C'est marrant, elle est pas tatouée dans le cou. Hein. Viens là, femme au cuir. Je vais m'occuper de tes ardeurs. Ah bah elle lui parle de son tatou d'ailleurs. Oula 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 oula, t'énerve pas, d'accord d'accord. Elle me met des belles branlées, hein. Et d'une rapidité. Ok. Elle va être dure, hein, je sens contre elle.
Oh, ce qu'elle m'a envoyé, oh, perdu de vie là, en un coup, j'ai tout pris quoi. Ah, je suis coincé avec cette putain de caméra de merde, je vois pas où je vais. Je vais prendre des élixirs. Voilà ce qu'elle me met, infini combo, c'est reparti quoi. Quand ils ont leur mode là, ça c'est saoulant quoi. Ouais, leur mode infini. Ouais, elle s'est relevée déjà, malheureusement je vais pas réussir à la finir je pense. J'ai plus de... Ils sont où? Ah, c'était trop tôt en fait. Ouf. Merci. Ah. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être dur. Merci Iso, à une prochaine fois. Tu es déjà parti. Ah, ça va être très dur parce qu'avec leurs infinis là, ces phases à la relevée où les mecs ils pourraient infiniser la barre entière. Ouais, j'ai tout utilisé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai été lamentable. Le problème, c'est que, bon, elle peut t'infiniser, quoi. C'est... Moi, ce que je comprends pas, c'est foutre ça dans les jeux vidéo, quoi. Elle te fait déjà assez mal, elle a pas besoin des infinis, hein. Ça sert à rien, c'est inutile, ça. C'est... On peut s'en passer, quoi. Arrêtez de foutre des infinis sur tous les boss que vous voyez, quoi. Faudrait que j'essaye l'eau bénite, mais je sais pas l'utiliser. Vu que c'est pas très compliqué pour utiliser un objet dans le jeu. Oh là là, puis alors la caméra de merde qui me fout automatiquement dans les dans ce putain de pieu de merde là. Pas ce pieu, ce... Ah, je me fais gang-bang d'une force là. Oh putain, tu peux rien faire. Ultra prioritaire, aucun coup, tout whiff. Tout ce que j'adore. Tout ce que j'adore en fait. Ah, tu peux rien faire. C'est tellement... Voilà. Elle te chope. Autant mourir. Voilà. Je me demande si c'est pas comme dans certains jeux où une fois que t'as perdu contre elle, elle t'infinise après, d'autant plus. Parce que ça, c'est classique dans les jeux, quoi. Tu sais pas trop pourquoi, mais souvent tu reloads ta console, et les boss, bah tu remarques qu'après tu passes dessus comme de rien. Ça m'est arrivé dans certains jeux, j'avais halluciné, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi. Elle partout, hein. Ah oh putain, elle saute deux fois plus loin que moi, quoi. Merci. Ah, mais cette table au milieu, elle est juste gonflante. Elle est juste mise dans ton axe pour te faire chier en fait. Ils l'ont juste mise là pour ça, parce qu'elle sert absolument à rien. Et juste à chaque fois, je me la prends dans la gueule quoi. Oh putain, la table de merde. Zéro recovery, ça me saoulera toujours chez les boss. Hein. Le zéro recovery des boss.
Ah, j'arrive plus du tout à la toucher, hein. Pas la taper quand elle essaie de me sauter dessus, mais le problème c'est que j'arrive pas à l'enchaîner quoi. Je comprends pas comment on s'en sert ce truc hein. C'est hallucinant ça aussi de pas comprendre. Eh vas-y, ah fini, eh fini, fini de déclencher, voilà, ça alors. Mais quand vous faites des boss, pourquoi vous programmez des infinis dessus? Ils en ont pas besoin, c'est récurrent comme on trouve ça sur tous les boss quoi. C'est pourquoi foutre des infinis à des boss en fait? Je comprends pas le délire moi. C'est vraiment un truc que je ne comprendrai jamais en fait. Les infinis sur les boss, ça sert à rien, si ce n'est frustrer les joueurs pour des histoires ridicules. Tout ça parce qu'on est un peu fatigué, donc du coup on dit bon, allez le boss, on va pas se faire chier, on va mettre un truc pourri et on code comme de la merde. C'est saoulant de voir ça quand même. Ah, il y a un élixir de cachet, tiens. Bon, je pourrais jamais aller le chercher, mais il y a un élixir de cachet. Ah puis alors la caméra c'est un bonheur ici, hein. Elle est juste typiquement à chier. Cette chance. C'était vraiment du gros, de la grosse chatte, quoi. Elle est encore pire que Spike, elle. Je comprends rien à ses combos, quoi. Ah non, non, tu crois. I'm not spirulating this game. You know, I think... I find this game too horrible. Maybe it's some phase, some segments we've been testing in a speedrun conception. But no, it's the first time I do this game. And certainly I will never do again. Because... Est-ce que je peux aller voir Willow pour qu'elle me fasse quelque chose? Alors là, donc là, c'est la phase sans dialogue. Donc là, en fait, dans le jeu, on est censé doubler nous-mêmes ce qu'il est en train de dire. Ah, super, tu m'as ramené des pierres, je vais te faire un collier. Ah, voilà. Donc là, le jeu, je suppose, n'a pas du tout bugué.